Mr. President and fellow delegates, it's a great pleasure to me to have the opportunity of following the last speaker. Not only with the atomic bomb, which has been referred to in this assembly, but about atomic energy. We know that while there was such a tremendously important weapon, it must be controlled. May I say that so far as my government is concerned, we have consistently held the view that where the vital interests of the countries were in question, the veto is not in itself an evil. It is the abuse of the veto which is the root of the trouble. In the light of what I've said about the Soviet attitude to security, disarmament, atomic energy, and the veto, how can we regard the latest proposals put forward by Mr. Vyshinsky in his speech? He must forgive us if we're suspicious. But what person can say what is happening inside the Soviet Union? Now, I want to put the position as I see it. We're invited to put our security in the pool. In the pool with a nation which will not and is determined not to reveal to the world what it is doing. We need deeds, not words. Show us the deeds. Give us proof of good faith. Let us go to the atomic energy. Let us deal with the deadly weapons. Let's open our countries to inspection, all of us. Let's open up the world and let light and knowledge come in and see what each other's doing, and the actual physical arms will settle itself. It presupposes. May I make one other? Let them learn that among ordinary people in other countries, as well as themselves, there is no such thing as aggressors. It's not the simple people who want to fight. It's not they who want to take other people's homes and territories or to dominate. There may yet grow that world government for which humanity yearns and to which it has been striving and struggling for so long. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, dans son discours de bienvenue, Monsieur le Président de la République française vous a dit les sentiments avec lesquels notre peuple a accueilli dans sa capitale l'Assemblée des Nations Unies. La France est heureuse que tous les gouvernements représentés ici et bien voulu accepter son hospitalité. L'ordre du jour, mesdames et messieurs, qui nous est proposé, vous avez dû le noter vous-même, présente une ressemblance troublante avec celui de l'année dernière. Les questions sont les mêmes d'une année à l'autre, les problèmes sont demeurés sans solution parce que la situation ne s'est pas améliorée. Les relations internationales restent dominées par la division du monde en deux blocs. Si l'Organisation des Nations Unies ne parvient pas à résoudre les difficultés essentielles, si le monde est dans l'angoisse, si de dangereux conflits locaux subsistent, c'est à cette division fondamentale qu'il faut l'imputer. L'Organisation des Nations Unies sera universelle ou elle ne sera pas. Nul pays pacifique ne doit-on rester exclu, que ce soit pour des motifs d'ordre politique ou d'ordre idéologique, à moins que son admission ne mette en cause les principes de morale internationale, de démocratie et de liberté qui sont à la base de la charte. Le rapport sera l'objet d'une ample controverse au cours de laquelle ni la passion,
mais les accusations ne seront sans doute ménagées. L'actuelle discussion générale nous en a déjà donné un avant-goût. Dans cette affaire, qui commente le problème général du désarmement, la délégation française considère le contrôle comme le point fondamental. Les nécessaires décisions d'interdiction ou de limitation sont plus faciles à proclamer qu'à faire observer. Elles ne sont opérantes que dans la mesure où elles sont assorties d'un contrôle véritablement efficace. La délégation française est heureuse que ces suggestions comportent en première ligne, comme les recommandations de novembre 1947, l'établissement à Jérusalem d'un statut international. Seule une telle solution nous paraît de nature à préserver les lieux saints. Les événements récents n'ont pu qu'affermir cette conviction. L'Allemagne, livrée au chômage et à l'isolement, est devenue hitlérienne malgré sa constitution démocratique qui n'a pas résisté à la poussée nationaliste. L'Allemagne sera démocratique dans la mesure où elle pourra progressivement normaliser son activité économique d'abord, puis sa vie politique, sans être exposée à la tentation d'une présomptueuse hégémonie, ni à la révolte de la misère ou de la servitude.